J'espère que vous allez bien. Alors, 5 janvier, on reprend donc les messages actuels pour voir les énergies du moment. Donc, je suis très très heureuse de vous retrouver sur la toile. Donc, j'espère que vous êtes reposés, que du coup, vous avez fait plein plein de choses. Hein, donc du coup, et je vous souhaite une belle et heureuse, lumineuse année qui se transforme en or, hein, et que vos projets se réalisent et allez au-delà de vos capacités. Et justement, voilà, faites vraiment ce qui résonne en vous. OK? Allez, donc si vous... les messages, vous pouvez partager, commenter, liker. Ça aide ma chaîne. Voilà, donc je suis très contente. Allez, on va partir sur moi. Hop, de manière générale, pour avoir de l'énergie. Je vais bien mélanger les cartes pour voir quels sont les messages. Allez, de cette début d'année, je les mélange bien. Allez, alors bon, tous les messages sont des messages... Ah, tombé sur la carte nouvelle. Elle est belle, hein? Je la laisse là. Regardez, hein? Alors, c'est un tirage sentimental. Donc, vous allez avoir un nouvel sentimental de quelqu'un qui vous pensez, votre autre, un homme, une femme, peu importe. Un, voilà... de contact, hop là, donc on voit que hop, il y a quelqu'un effectivement qui dans une période très angoissée, quelqu'un qui est très fatigué, voilà, une personne qui est assez malade et impactée, hein. Donc quelqu'un qui même je dirais plus qui a des comment dire qui même comment dire fatigué psychologiquement. Peut-être physiquement, mais beaucoup plus psychologiquement. Alors, quels sont les messages de... Hop, là, il y a trois cartes qui sont sorties. Alors, nous avons... Alors, c'est en lien... Effectivement, avec quelqu'un qui... Alors, ou c'est en lien avec quelqu'un avec qui il y a eu une séparation et il y a eu des disputes, voilà, et où il y a eu des personnes qui se sont un peu mêlées de tout. Ou alors... Il y a eu dans la vie de cette personne une cassure avec quelqu'un et qui se sent voilà, comment dire, un peu piégé et qui ouvre les yeux et qui se rend compte que c'était loin d'être une personne positive, hein, un ennemi, hein, quelqu'un de un serpent. Alors, hop là. Qui souffre et qui, ben oui, qui ose même pas vous, se faire pardonner, mais qui souffre parce que peut-être que cette personne s'est trompée. Hein, donc, quelqu'un qui est dans une grande tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres messages? Il y a deux cartes qui sont tournées. Hop là. Ouais, donc il y a une personne autour de votre autre qui l'avait prévenu. Voilà. Donc, que, voilà, donc une relation où, où effectivement, il y a... Ben, se sent coupable, mais qui a fait une grosse erreur. Voilà. Donc, ou alors, quelqu'un qui a pris de la maturité. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Hein, on voit que c'est quelqu'un qui va jusqu'à... incohérente dans sa vie. Et qu'effectivement, voilà, il faut que cette personne s'ouvre sur des choses beaucoup plus, comment dire, réelles. D'arrêter de faire semblant, d'arrêter de donner une apparence et une vie et un comportement assez carré, cadré. Quelqu'un qui va avoir quand même...
père de la trahison, ben oui, effectivement. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, c'est en lien aussi au niveau de papier. Alors, moi, je ressens qu'au niveau même, voilà, s'il y a eu des transactions, s'il y a eu des associations, s'il y a eu des liens avec une personne d'argent qui dit contrat, dit engagement, ben voilà, qui est complètement déçu. Voilà, et qui, voilà, d'où La carte des regrets et de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre message? Voilà, c'est une personne, on dit. Il y a la carte qui est sortie. Des mensonges. Ouais. De sa vie, mais il y a eu beaucoup de choses cachées. Hein. Et que là, il est temps. Ben, vite, voilà, et de vite trouver une issue à une vie qui, hop là, alors, hop là, c'est quelqu'un qui reprend de la force, effectivement, qui s'est senti, voilà, un peu piégé, qui se sent un peu, voilà, embourbé, énormément poser des questions, qui peut-être, voilà, à force de... qui s'est dit que peut-être voilà, il n'y avait pas d'issue, mais là cette personne a pris son courage à deux mains. On dit que cette personne voilà, va trouver une solution concrète pour se sortir de là où il ou elle s'est un peu embourbé, on va dire. Très comment dire, en disant avec des mots hein, sorti de ce gros merdier, on va dire, hein, là où il s'est mis. Voilà, cette personne s'est aidée. Par rapport à des amis, un entourage assez stable. Voilà, il a peut-être conseillé, il ou elle, il a peut-être conseillé. Écoute, là, il y a une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. Hop, il y a la carte de la sérénité. On voit qu'effectivement... une personne retrouve un peu plus de calme. Hop. Voilà, sérénité, parce que stop au sacrifice, stop à être trop généreux. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu, comment dire, un peu perdu au champ, je crois. Si. Ouais, donc du coup, effectivement, il y a des papiers et tout ça. Il y a eu vraiment un peu le chaos. De voilà, complètement quelqu'un qui complètement en équilibre, hein, complètement un peu désorganisé, voilà, qui a besoin aussi de faire autre chose dans sa vie. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Quelqu'un qui a bien évolué, voilà, voilà, effectivement, quelqu'un qui avait pris de la maturité, mais quelqu'un qui a bien évolué, quelqu'un qui voilà, qui pense voilà à son bonheur et voilà, de relations beaucoup plus sereines, des relations voilà, on se laisse aller et rien vraiment de concret quoi, finalement. Allez, hop, donc il est question effectivement de réconciliation. De réconciliation, de retour, quelqu'un qui est beaucoup plus dans une certaine réflexion. Voilà. Là, il est question, effectivement, ouais, ben, il s'est passé quelque chose avec une tierce personne, une rivale. Hein. Il s'est passé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, cette personne, vous voyez, elle a perdu de l'argent. Hein. Elle a perdu de l'argent. Elle pensait que, ben, du coup, il y avait des choses qui allaient avancer, mais il y a des pertes d'argent avec la personne avec qui il fréquentait.
Quentin, là, et moi je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est quelque chose de, qui m'attend. Des questions aussi, ben, regardez, des dettes. Donc c'est une personne qui, ben, qui a une grande souffrance financière, catastrophe financière, et que là, qui essaye de trouver vite une solution. Peut-être avec quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille. Et, donc du coup, voilà. Des dettes, hein. Donc le financier, ça ne tient plus. Hein. Là, l'argent, hop. Allez. On peut voir. Voilà, des voilà, catastrophes financières. Alors, il y a trois cartes qui sont sorties. Alors. Voilà, donc on voit effectivement, c'est une personne qui a un peu aussi senti le truc arriver. Hein, et on peut voir que, ben, on l'avait prévenu. Et là, on voit aussi que, comment dire, là, je vais tirer une carte. Là, il est question de notre logement, de trouver peut-être notre lieu de... Notre endroit, hop, allez, hop là, notre endroit, donc... Là, du coup, on prend de l'argent, on essaye de reconstruire quelque chose, un déménagement, ou peut-être... Un déplacement, de se détacher de la personne avec qui on vit, parce que, du coup, voilà, il y a trop de... Conflits, hein. Ouais, beaucoup de conflits, là, on dit que... Encore un petit peu pour, ben, pour... remettre les choses en place. Depuis l'automne, hop, depuis l'automne, quel est le message, hop là. Depuis l'automne, voilà, il y a des... Comment dire ? Il y a, ben voilà, il y a des... litige, hein. Beaucoup, beaucoup de litige, hein. Hop là. Beaucoup de litige. Qu'est-ce qu'on voit? On a un homme blond, donc il y a quelqu'un qui le conseille, donc effectivement, dans son entourage, il y a quelqu'un de... Moi, je pense, voilà, peut-être... Un avocat, un homme de loi, qui, voilà, qui l'a conseillé, justement, pour pouvoir sortir, voilà, de cette... De cette situation qui, voilà, qui est assez lourde. Hein. Surtout que quand on s'engage à... Il y a de l'argent en jeu et qu'on se rend compte que, effectivement, Va falloir reprendre ses billes. Assez, voilà, effectivement. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, qui... On voit que il y a une personne qui... d'écraser, hein, d'écraser votre offre en disant qu'il était obligé peut-être de rembourser, hein, de rembourser, et que peut-être cette personne elle va demander aussi à sa famille, à son entourage familial de pouvoir les... Allez. Oui. Ben là, c'est clair que... Et là, quand l'argent dans un couple, question d'argent, là, c'est plus pareil. Les choses, voilà, dans les illusions, ben ouais, c'est quelqu'un qui a eu énormément d'épreuves et voilà, était dans une illusion, dans un rêve, hein, un rêve qui devient quand même un cauchemar, hein, parce que là, on voit que, hein, il essaye de reconstruire et que c'est quand même, c'est assez difficile, hein, dans une période assez sombre. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Hop là, il y a quatre cartes qui sont sorties. Alors, j'ai quelqu'un qui revient, qui est fatigué, voilà, qui s'est posé énormément de questions, qui a eu des doutes concernant, ben voilà. Cette relation, cette association, et que là, ben voilà, il est temps de changer. Mais c'est quelqu'un qui quand même est... un peu fracassé quand même, hein. Un peu bad, hein. On va prendre
troisième carte. Ben oui. Fatigué parce que, ben voilà. Fatigué physiquement, psychiquement. Et ben, il va falloir sortir de cette relation, donc refaire sa vie, quoi. Retrouver un nouveau logement. Quelqu'un aussi qui a eu une période d'inactivité, qui a été obligé de s'arrêter de travailler. D'arrêter une activité qui lui plaisait. Ouais, quelqu'un qui s'est un petit peu isolé, hein. Qui s'est mis voilà. Qui s'est mis de côté, qui s'est pas mis en priorité, qui a été tiraillé à droite et à gauche, qui a été un peu manipulé, hein. Mais voilà, je veux dire, après, il s'est manipulé. Tout le monde a le libre arbitre. Oui, effectivement, maintenant, dire les choses et que, ben voilà, pour lui, c'est une surprise, voilà, parce qu'il y a des choses. Les paroles se sont révélées, hein. Quelqu'un qui là. Et voilà, qui s'est révélé aussi grâce, voilà, même qui, dans son entourage, n'a pas été soutenu, hein. Même quelqu'un de sa vie. N'a pas trop été soutenu et j'ai un peu des blocages, hein. Quelqu'un qui s'est senti vraiment comment ça a été un peu rude, hein. Très très rude, hein. Là, il y a des énergies. Allez. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement quelqu'un, ben oui, quelqu'un qui, donc, qui a été conseillé et qui essaye de concrétiser, ben d'avoir quelque chose, un bien, quelque chose à soi. Voilà. Mais du coup, il a été obligé de poser le pour et le contre, hein, ou peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons? Effectivement, c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, voilà, c'est un peu voilà, gelé, hein, c'est frisé, hein, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui a essayé un petit peu de s'occuper plus de ses loisirs, des activités que d'être dans l'union, parce que l'union, elle est jolie, hein. Là, tout est. Tout est froid. L'ambiance est glaciale, on va dire. Hop. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, il y a une rencontre. Quelqu'un qui a un choix à faire et qui a. Hop. Se déplace et qu'est-ce que nous avons? Voilà, et que effectivement, voilà. Qui va se mettre en mouvement pour avoir du renouveau, hein. Hop là, quelqu'un qui réfléchit énormément et qui voilà, depuis cet été, hein, depuis cet été. Et oui, quand on veut fuir certaines relations, après un moment donné, ce qui te fuit te poursuit. Donc voilà, donc du coup on est dans des projets de recherche. Voilà, tout à l'heure. Voilà. Et on le cherche en secret. On n'en parle pas. Ou très très peu. Parce que bon, on a vu que la personne, au niveau de son entourage, c'était pas top. Hein.
Qu'est-ce qu'on voit? Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui va l'aider, une personne un peu plus âgée, qui va lui proposer quelque chose, ou qui va... Qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, carte de réussite. J'ai même envie de terminer là. Oui. Tellement envie de terminer maintenant là. Ouais. Parce que du coup, là, sur les cartes qui restent, on a quand même un retour à la guérison, effectivement. Donc, on a encore question de personne qui va se déplacer. Mais on voit que quelqu'un voilà, s'est discuté avec un homme. Allez, je veux un peu plus penser. C'est. Voilà. Il y a un rival. Hein. Cette personne, elle s'était trompée. Hein. C'est une personne qui s'est aperçue, effectivement, que, qui s'est fait duper, mais qui s'est fait tromper aussi, peut-être sentimentalement, et qu'il a un rival à son tour. Elle s'est fait. Ben, comment dire. Ben ouais, il y a eu une. Trahison sentimentale, il s'en est aperçu, il y a eu des... Voilà, il a les cheveux un peu plus foncés, voilà, et donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a eu aussi des bouleversements et des changements. Il s'est aperçu que peut-être qu'il n'était pas seul dans... dans l'histoire. L'arroseur a arrosé, vous allez me dire. Vous faites à l'autre, eh bien, à un moment donné, quand ça vous retombe dessus, c'est pas très sympa. Alors, deux minutes. Je vais vous tirer une petite carte. Hop là, je vais vous tirer. Hop. Une carte, hop. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties, celle-là. Allez. Une carte. Un message. Allez. Alors, vous pensez bien, hop. Allez. Vous détendez votre esprit. Une carte d'une manière générale, un message. Il y a trois cartes hein, qui sont sorties. C'est marrant, ça. Tout intriqué. Votre service, envolez-vous. Ben là, du coup, effectivement, ben on voit que... Effectivement, on est vraiment bien dans des énergies sentimentales. Et voilà, hein, c'est un peu Roméo et Juliette. Hein. Donc, à un moment donné, quand l'amour frappe à votre porte, eh bien, du coup, vous avez quelque chose là qui va arriver. Hein. Tout arrive à point. Voilà, croyez dur comme fer sur votre rêve. Faites comme si c'était déjà réalisé. Hein. La visualisation positive, hein, ça, c'est super important. Et on voit que c'est comme si l'histoire qui n'est pas terminée, effectivement, eh bien, il va y avoir des coïncidences. Il va y avoir, vous êtes déjà connecté à de belles choses hein, qui vont arriver et les choses vont s'aligner rapidement. Hein, et on voit que là, à avait souhaité, moi je vous souhaite là pour cette année, hein. Donc effectivement, on voit que elle a resté aussi déterminée, ayez confiance en vous et tout ça, donc c'est super important. Hein. Les temps vraiment que vous recevez un peu ce que vous méritez hein, complètement. Hein. Et là, ben, la dernière carte. On voit envoler vous, ça a l'air peut-être facile à dire. Et pourtant, vous avez un message là, envoler. Alors, dans combien de temps, quand est-ce que vous allez vous décider? Eh bien, voilà. Essayez vraiment d'être prêt à cette énergie de renouveau,
de renouveau et de belles choses. Hein. Allez, je vais vous tirer une carte au niveau sentimental. Fermez les yeux. Allez, quel est le message ? C'est beau ça. Nous sommes plus que des amis. Est-ce qu'on peut avoir, allez, un autre message ? Et oui, je. On est hyper connectés, hein, donc. Hop. Et tu me plais beaucoup. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a une évidence manifestement. Voilà, vous lui plaisez et voilà, envie de vous voir charnellement. Déjà en visu. Au moment où je dis ça, j'ai la gorge qui m'a complètement. En fait, qui n'ose pas, là. Quelqu'un qui n'ose pas communiquer, qui a envie vraiment, et qui ressent vraiment De venir vers vous et de vous le dire. Hein. Et ouais, parce qu'il voilà, il n'a pas encore confiance en vous. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas confiance en lui. Voilà. Et je pense à toi souvent. En plus, si cette personne a eu dernièrement des énergies de trahison, vous pensez bien que la confiance n'est pas au max. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est passé par des événements, par des moments assez sombres pour se rendre compte que manifestement, il allait avoir un changement dans sa vie. Et que stop, l'histoire. Futile, hein, et qu'il est important maintenant de construire et non de détruire. Voilà. Bah, écoutez, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé avec vous ce moment. Donc, du coup, si vous avez aimé le tirage, voilà, vous pouvez liker, partager, commenter. Voilà, c'est vraiment pour. Ça m'aide aussi, ça m'encourage aussi à envoyer des messages. Si vous voulez avoir un message personnalisé, je vous laisse mon numéro de téléphone. On prend un rendez-vous. Voilà, c'est des messages d'ordre général. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous fais un bisou. Et puis je vous dis à très bientôt. À vendredi, on se dit tous les vendredis. À vendredi prochain. Bisous, bisous.